trouve. Exact. Bonjour à toutes. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Tu viens d'hurler là à l'instant. J'aime démontrer à quel point il y a énormément de budget et beaucoup de caméras. Hein, Thomas? Ouais, j'ai l'impression que ça devient n'importe quoi cette histoire. Cette histoire, c'est-à-dire ta vie créative. Ouais, voilà. Ouais, quand même sans fourcher, sans plat d'affilée. Ouais. C'est-à-dire que le corps humain n'est normalement pas préparé à ça. Absolument. Il me semble, hein. 3 repas par jour max dans les pays du Nord. Puis 4 quand on a un gros gourmand, mais 100. Avec Thomas, vous le savez, nous avons une série que nous affectionnons tout particulièrement. Il s'agit de On construit des Legos jusqu'à épuisement. C'est la même chose, mais de manière culinaire. Parce que le gros défaut des Legos, c'est qu'on ne peut pas les ingurgiter. Absolument. C'est ça qui est dommage. Premièrement, je suis enrhumé depuis 2-3 mois maintenant. J'ai une voix de merde, j'ai une voix de con. On passe sur le sujet. Nous sommes sur une péniche à Angers, s'intitule Barcovino. Ça s'inscrit ici. Et l'accent italien n'était pas nécessaire. Et je remercie également le restaurant Bocao, qui fait partie finalement de la même entreprise, qui est à terre. Donc voilà, pour ceux qui sont en Angers, allez checker Bocao et Bocavino, c'est grâce à eux aussi qu'on peut faire cette vidéo et qu'on peut avoir ce magnifique décor. On va goûter 100 plats qui nous ont été concoctés par les meilleurs chefs de la région d'Anjou. Bon, puisque j'ai fait une carrière sur des superlatifs. Ouais, donc, par des chefs. C'est à chaque fois des bouchers. Mais on va quand même enchaîner comme ça 100 plats et on va les juger. On va les disposer dans une tier list IRL qui est juste derrière moi et on va tout simplement classer les plats. Au-dessus de tout ça, il y a aussi un top 3. Ah, mais oui. Alors ici, nous avons un podium NordVPN. C'est le sponsor, je pense que vous l'aviez compris. Top 1, top 2, top 3. Il y a un truc, tu as dit qu'on allait classer les plats. Oui. C'est-à-dire qu'on va mettre fin à beaucoup de débats. Est-ce que le taboulé, c'est meilleur que le couscous? Ah. C'est fini une fois qu'on a tranché. C'est nous les juges. Tu as raison de le dire, cette vidéo fait foi. Franchement, cette vidéo n'a pas coûté si cher, mais elle est quand même sponsor. C'est honnête. NordVPN, qu'est-ce que c'est? Ça vous permet de faire croire à votre ordinateur que vous êtes dans un autre pays. Petite voix off rapide, parce que là, vraiment, j'ai le nez qui coule. Oui, bonjour, je vais prendre votre commande NordVPN. Oui, bonjour, alors je vais vous prendre un VPN pour faire des économies sur les hôtels, restaurants, réservations de voitures pour mes vacances à l'étranger en me connectant à une IP de ma destination pour bénéficier des meilleurs prix. Frites coca? Quoi? Je vais aussi vous prendre un accès au contenu des plus grosses plateformes vidéo qui sont pas dispo dans mon pays, c'est pratique. Une boisson avec ceci? Non, juste s'il vous reste un SAV en français satisfait ou remboursé pendant 30 jours et une connexion sécurisée au hotspot Wi-Fi public, j'avoue que je suis un peu gourmand. Bien sûr, ça vous fera un total de pas cher du tout avec la réduction exclusive grâce au lien d'Amixem au prochain guichet. Attendez, vous connaissez Amixem? Mais bien sûr, j'en suis friand. Eh bien, sachez que je suis Amixem, justement. Énorme, je peux faire une photo. Bah non, vous êtes une borne qui parle. Effectivement. Et j'étais pas de bras, en plus. Eh bien, téléchargez NordVPN avec mon lien, le premier dans la description. Merci à tous ceux qui le feront, c'est un soutien énorme à cette chaîne YouTube. Merci, la vidéo. Merci infiniment, NordVPN, vous permettez de nous nourrir. Je te trouve très en forme. Je pense qu'on peut mettre tout de suite un extrait de toi après 80 plats. Peut-être. Absolument. C'est de plus en plus bas, hein, rapport à la croûte terrestre. Si vous voulez faire ça chez vous, les règles sont simples. On ne mange pas les 7 jours avant, ni les 14 jours après. Voilà. C'est la bonne idée qu'il a eue de faire un KFC hier soir. Miam, miam, le poulet. Eh bien, messieurs, dames, c'est parti pour on teste, on juge, on déguste, sans plat, non-stop. Premier plat, s'il vous plaît. Bah oui. Le club sandwich. J'ai très envie de le goûter. Mais il a l'air très bon. Il était fait avant-hier quand même. Si toutes les bouchées sont de cette taille-là, on va passer un sale quart d'heure. T'es déjà dedans. Oh, il est costaud, j'en peux plus. Le plus fin. M'arrête là, moi, pour le repas. Ça va être long. Et moi, je suis jamais déçu dans mon club sandwich, franchement. Ni par les vacances, on aime bien, ça nous rappelle des bons souvenirs. Ouais. Mais est-ce que pour autant, c'est un plat qui mérite le Panthéon? Est-ce que je suis en train de jouir? Non. Non, mais c'est bourré de gluten, ça fait une mal au bide. Oh, qu'est-ce que je m'embrasse. Excellent, mais pas trop souvent. Pourquoi je dis ça? Non, mais oui. Parce qu'on ne froisse aucune communauté avec le club sandwich. Ça n'appartient à personne. Club sandwich va dans la catégorie. De base, le sandwich, voilà, éviter de manger trop de sandwich le midi. Ça va vite, mais après, on a l'intestin grêle qui est en pomme-pote. Complètement vrai. Peut-être passer à la deuxième bouchée. Deuxième bouchée. Ah ouais. Complètement le dimanche soir. Ils ont fait les bûchettes. J'étais sûr qu'ils allaient faire les bûchettes. Et c'est ce qu'il y a de plus chiant dans l'œuf mouillé. Oui. Si vous trouvez un compagnon de vie ou une compagnonne de vie qui fait pour vous les bûchettes, épousez-le ou là. Absolument. Je vais quand même te faire répéter le nom du plat. Un œuf mouillette. Donc dans ma région, on appelle ça des bûchettes et non pas des mouillettes. Alors déjà, comment vous avez fait pour garder le jaune coulant? Alors que ça a été préparé il y a 2 jours. C'est très très fort. Bon, je préfère me jeter à l'eau tout de suite, hein. Dire quelque chose qui va peut-être froisser des gens, j'ai pas peur. Ouais, le jaune, oui. Mm-hmm. Le blanc, non. Okay. Moi, le blanc, ça me donne vraiment des relents de racrever. Okay. Excusez-moi. Oui, allô? Oui, effectivement, on dit bûchette. On dit mouillette. L'œuf, c'est formidable. Le premier mec qui a eu l'idée de bouffer un œuf, c'est un malade. Enfin, quelque chose qui sort de ce qui s'apparente à un anus, ça reste de la merde dans la majorité des cas. Globalement, lui, c'est dit, tiens, petite omelette. Tu proposes un œuf bûchette à un enfant de 8 ans, et il est refait. Oui, maman, est-ce que je peux avoir un autre? Bon, bah, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas 8 ans, donc faut bien se nourrir. Œuf à la coque.
On va se faire défoncer pour le feu à la coque, je le sais. C'est vrai qu'il y a sûrement déjà des gens déçus. Et on va continuer d'en décevoir, notamment avec la troisième bouchée. Absolument. Ça, ça vient de chez moi. J'ai un doute, je sais pas ce que c'est là. C'est soit des endives au jambon. Ah non, c'est pas des endives, je pensais que c'était des endives au jambon. Et en fait, c'était des poireaux. Mais en fait, c'est des endives au jambon. Des endives au jambon, ok. C'est quoi ton histoire, toi, avec l'endive au jambon ? Sincèrement, si tu m'avais demandé avant cette vidéo, quel plat je pourrais comparer à des excréments humains, des choses peu comestibles, je t'aurais dit l'endive au jambon. Je déteste les endives au jambon. On a que ça par chez nous. Franchement, celle-là, elle est super bonne. Ok, je vais la goûter. C'est horrible. Là on va être dans la merde parce que c'est vraiment ma région, mon terroir. C'est pas parce que c'est chez toi que c'est bon. Non mais à un moment donné je peux pas mettre à dos les gens chez qui je vis. Je peux te trouver des trucs du coin qui sont dégueulasses. Comment je pourrais te faire aimer l'endive? Y'a aucun moyen, ils ont tout essayé. Si je goûte tous les cacas de l'équipe technique, il y a forcément un qui est meilleur que l'autre. Mais bon, c'est du caca quoi. L'image m'a parlé, du coup je sors mon calepin dans ces cas-là pour la noter pour un prochain spectacle. Quand on n'est pas d'accord à l'extrême comme ça, faire des compromis. Juste pour conserver mon emploi parce que ça me paraît ça. Non mais faut bien se nourrir si tu veux. Non, c'est pas je n'ingurgiterai pas ça sous aucun prétexte. J'ai été dur. C'est pas du caca, c'est du pipi. Faut bien se nourrir. Pourquoi ? Je pense que la case du bas, c'est vraiment un truc imbouffable. Et je peux pas dire que je ne boufferai pas des endives au jambon. Il s'agirait de quand même faire passer vite le goût de cette merde. Ah, quand même. Quatrième ? Quatrième plat. Une flamme et une cuche. Tout ce qui concerne l'Alsace est globalement carminatif. C'est-à-dire, explique-nous, c'est carminatif qui fait péter. Globalement. Vraiment vrai. Carminatif, ouais, ouais. Parce que globalement, les oignons, prout-prout, les lardons, prout-prout, la crème fraîche, prout-prout, le chou. Après, il y a quand même cette fameuse chaîne de restauration qui s'appelle le Flams. J'ai jamais entendu parler. C'est pas vrai. La taverne de Maître Canter. Tu connais pas? Non. C'est trop. On y change des trucs. C'est incroyable ça. Non, je connais pas du tout. Bon, la Maître Canter alors. Maître Canter, c'est quoi? Maître Canter, comme son nom l'indique pas tellement, c'est un maître qui s'appelle Canter, ça sonne un petit peu germanique. Alsace-Lorraine, un écuche, choucroute. Ok. Après, ça va être un peu dur, mais la flamme cuche, bon. Ah ouais. J'aurais peut-être tendance un peu à m'en battre les couilles. Oh bah oui, tiens. Excellent, mais pas trop souvent. Ouais. Oh putain, je pensais jamais que tu serais ok. Plat suivant. Oh, moi je m'arrête. Hein. Mais je suis repu. Plus faim. On va passer au dessert. Souffle au fromage, je dirais. Ah, oui. Tu connais Souffle-Souffle, les restaurants Souffle-Souffle. Ah oui, c'est ça le problème du souffle au fromage. C'est que ça se mange chaud. Tu finis toujours avec des verrues sur la langue. Quel plat provoque des brûlures horribles. Le numéro 1 là-dedans, ouais. C'est un plat asiat, là, c'est les... Les nems? Non, les... Les nems? Ouais. Je sais pas ce que je fais là. Bah, souffler au fromage, franchement, ça m'emmerde un peu. Hein. C'est devenu un autre plat, ça s'appelle des débrouiller. C'est pas mauvais, mais c'est ennuyeux. Quoi. Faut bien se nourrir. Faut bien se nourrir. Tomate mozza. Évidemment. Je vais résumer la gastronomie italienne en une phrase. Pas forcément beaucoup de techniques, mais énormément de bons produits. Empiler des bons produits. Donc ils ont tout compris, les Italiens. C'est vrai. Donc la gastronomie côté italienne. Côté feignant, on va commencer par faire des bons produits, puis de toute façon, je les foutre ensemble, ce sera sûrement bon. Bah, voilà. Bon plus bon égale bon. Un petit jambon. Tu parles avec les mains. Important. C'est l'Italie. Pas si dégueu. Bah ouais. Avec de la mozzarella di bufala. Ah oui, là, bah là, c'est... Je l'ai essayé trop tôt dans le tournage, hein, t-shirt. C'est un t-shirt neuf. Deuxième fois que je le mets. Oh, dis, il était bien. Il est foutu, là, non? Il est flingué. Foutu, ce serait pas assez fort. Putain, l'Italie. Bon, la tomate mozza. De toute façon, à un moment donné, on peut débattre de tout ce qu'on veut, mais pas de ça. Quoi? Bah évidemment. Tomate, mozzarella, basilic, mozzarella fondante. On est en Italie, on est là, on est sur les plages de Rome. T'es pas d'accord avec moi? Ah mais pas du tout. Orgasme culinaire. Oh, ouais, une tomate mozza. Oh, ouais, oh là là. Moi j'aurais mis ça dans excellent mais pas trop. Donc on met ça au milieu. Tu peux pas me dire que ça potentiellement ça va sur le podium. Je peux pas te laisser dire. C'est nécessaire pour le bien de l'humanité. On en a besoin pour le soleil. Je veux bien faire un pas vers toi mais... Si on trouve rien d'autre dans orgasme culinaire, je te laisserai le mettre. Mais franchement, sur les 107 autres plats qui arrivent, mais c'est dingue hein. Chier. Plus travailler avec ce con. Je vais le noter pour moi, mais finalement, si c'est public. Attention, il y a évidemment des plats qui sont coupés au montage, parce que si on vous passe les 100, ça va être longuet. Ou peut-être en medley, petit medley. Petit medley. Donc il y a peut-être des faux raccords avec des plats qui pop. Faut bien se nourrir. Mais je fais le compromis de le mettre ici.
On notera que NordVPN est nécessaire pour le bien de l'humanité. C'est pas moi qui le dis, c'est le décor. Qu'est-ce qu'on a ici? Le fameux croque-monsieur, de toute façon, fallait que ça vienne. Maman, 2 heures, quand le dimanche elle disait maman. Les enfants, maman, soir c'est croque-monsieur. Ouais. Mon frère Maxime, qui s'appelle comme toi, disait oui. Ma soeur Julie, qui s'appelle pas comme toi, disait oui. Et moi je dis oh. Chier. Je m'attendais à un truc de famille, un bon souvenir. Oh mais putain, mais je pensais pas que j'allais faire cette vidéo avec un mec qui allait papy au fond du trou. C'est l'endive au jambon, mec, du pain. Bah ouais, du coup c'est bon. C'est incroyable. Ouais, pas mal. On est proche de l'orgasme culinaire pour moi. Il y a peut-être encore meilleur. Je vais peut-être me calmer. Le fion nécessaire pour le bien de l'humanité. Et tu m'en dois. Hein. Tu mettrais ça où? Je mettrais dans excellent, mais pas trop souvent. Je t'en dois, hein, effectivement. Parce que c'est pareil, il y a vraiment. Ouais, ok. Pète de légumes là-dedans. Ah, ça, j'en ai. Mais alors, dans mon jugement, ça ne rentre pas du tout dans l'équation. C'est bon à savoir. Te laisse, je veux pas y toucher. Non, mais je fais le compromis de excellent, mais pas trop souvent. Et on remarquera que ça pourrait s'appeler aussi le gras. Viva! Mais celui-là, il a une petite anecdote me concernant. D'accord. C'est probablement le plat que j'ai le plus mangé dans ma vie. Le shirashi saumon. Est-ce qu'on peut voir la différence entre le shirashi et le sushi? Bah, c'est le shirashi, c'est un bol de riz vinaigré. On met des tranches de saumon. Oui, ok. Voilà. Mais c'est pareil, c'est, okay. C'est, ouais. C'est juste que c'est la même association. Quoi, exactement. Globalement. Pour là, le saumon, il a bien le goût de mercure. Là, on est vraiment sur du. Ouais. Et ouais. Les petites herbes sont trop. Je jugerai pas sur ce que c'est ça. Ouais. Moi, c'est sans hésiter orgasme culinaire. Mais non? Bah Maxime Chabour, enchanté. Bienvenue. Voilà. Je vais vous laisser signer votre CDI. Attention, moi c'est des contrats très petits. Il y a une clause. Ah, je crois que c'est... Être rigolo. Ok. Et le nombre là, c'est petit aussi ça. Bon allez. Ça a jamais été mon point fort les salaires. Allez. Ça à tes gosses, tiens. Une règle avec le couscous en général, c'est qu'on l'accompagne pas de 9 entrées avant. On va pas juger sur celui-là, hein. Parce qu'il fait scrooge. Donc moi je le mets tout en haut, hein, je te le dis. Orgasme culinaire. Ah ouais, moi le couscous c'est un dinguerie pour moi. Les pois chiches, tout le bordel là. En fait le problème c'est que c'est un plat tellement démocratisé qu'il peut être très mauvais, tu vois. Évidemment. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir pour ça? Non, parce que l'inventeur du couscous à la base il avait rien demandé. Ah oui, il était bourré de bons sentiments. Il était arraché. Il a tout mélangé. Bon, je suis d'accord que ça fait partie des plats. Ils bien préparés peuvent être des orgasmes culinaires. Bon, quand tu fais ça, je connais ton langage corporel. Hein. Couscous. Là-haut, sur les montagnes de Djerba, de Djerba la Douce. Je ne sais rien, je suis jamais allé. Orgasme culinaire aussi appelé le voyage. Bon, bah suivant alors. Bon, la choucroute, on a tous un rapport très personnel à la choucroute. Absolument, tous une anecdote dévorante. Personnellement, moi je n'en ai pas, j'en mange très peu. C'est vrai que c'est un plat très populaire et on en mange très peu quoi. Genre, faut vraiment être courageux pour prendre une choucroute. Hein. Ah ouais, non. Après, à Strasbourg. Ah là-bas, ils mangent que ça. Hein. Ah ben matin, midi et soir, évidemment. Non, j'aime pas trop la choucroute en fait. Ouais, c'est bon quand même. Très moelleux, hein. Pas bouchonné, enfin il est pas caneté comme on dit dans ces cas-là. Pire, le plat est arrivé, ça donne vraiment des ailes, hein. C'est dingue. Choucroute, le plat est arrivé, j'étais en mode ouf. J'ai mis en bouche, j'ai fait ah oh. Excellent, mais pas trop souvent, parce que c'est trop lourd. Et puis de toute façon, ça va avec le gras. Ouais, bah on va regarder cette catégorie-là. Hein. Toast avocat. Pour moi, là, on est très haut. L'avocat, ouais. Je vais te reparler d'une ex. Okay. Je suis sorti avec une Gabonaise pendant 5 ans, tu ouais. le sais. Je suis allé au Gabon. Mm-hmm. J'ai goûté un avocat là-bas qui, donc, n'était pas transformé, qui n'avait pas voyagé à part de mon bras à ma langue. Mm-hmm. J'ai découvert le vrai goût de l'avocat. Là, ce goût-là, j'en ai encore les papilles qui frémissent. Ok. Voilà. Dieu, à un moment donné, ou qui que ce soit, elle décide de créer un truc sympa. On n'est pas au Gabon non plus. Hein. On n'est pas au Gabon, je te l'accorde. Là, il est au barreau de Dunkerque. Ne me place pas le mot orgasme dans l'équation. Non, mais juste en dessous, je pense. J'ai compris la gestuelle Louis XVI. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne bois pas d'alcool parce que je bois pas d'alcool pendant un mois. J'en finis des bouteilles tout seul, des bouteilles toutes seules. Moi, à l'inverse, je m'en fais beaucoup plus depuis qu'on travaille ensemble. C'est Wet September pour Thomas. Tu vas. Attention là. Quand il y a du gras et du fromage, tu sais que ça touche mon petit cœur. Puis globalement. Je parle essentiellement des AVC et des. Oui. La tartiflette. Alors, ça a très longtemps été mon top 1. Ma mère avait une recette de tartiflette dans laquelle il n'y avait pas de lardon. Ça n'avait aucun sens, mais ma mère faisait White White Show. Je suis vraiment en train de tourner de l'œil. J'ai trop mangé. Ouais, merci. Vous allez vous régaler. Merci. La tartiflette était longtemps top 1. Je l'ai dit ou pas ça? Tu l'as dit ça. Mais ma mère en faisait une très bonne, sans lardon. Ouais, c'est sûr. Ça va être compliqué cette vidéo. J'ai vu passer du vin rouge, mais je l'ai pas eu dans mon verre. Alors je l'ai déjà bu. On est en telle souffrance si tôt. Il reste combien de plats? Vous êtes au 19ème. Donc il reste 81. 5 fois ce qu'on vient de faire là. 5 fois. Tu vois, j'ai plus faim du tout, mais je la bouffe. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Y a rien de bien. En termes de futur, de placement sur l'avenir. Y a rien de bien. Mais plaçons la Savoie en orgasme culinaire. Venez. venez. On est sur une péniche en G. Je peux te dire que sur la piste verte, ça remonte pas tout de suite. Minute de silence à tous les télésièges. Hein. Vous devez en remonter des kilos de graisse. Et bah, c'est orgasme. Bah, ouais, évidemment.
évidemment. Je fais même plus de sport, moi. Ça fait un moment que je me suis pas levé. Je vous dis que vous êtes garé sur une place handicapée, monsieur. Voilà. C'est 350 balles, s'il paye tout de suite 250. Faut bien se nourrir, bah oui. Pas le choix, bon. Pas fan. Pâtes carbonara, c'est pas avec de la crème fraîche. Voilà, ok. J'ai okay. Pas la suite de la chanson. Mais c'est avec, vous prenez des œufs, vous mettez 5 jaunes, 1 blanc, vous mélangez tout, vous foutez du fromage à bâche, ça fait une espèce de pâte monstrueuse. Vous mettez du lard colonnata et le fromage du pecorino, vous mélangez tout ça. Et là, on a la vraie carbo. Okay. Tant que vous n'avez pas goûté cette carbo, vous ne savez pas ce qu'est la carbo. Okay. D'accord. S'il y a de la crème fraîche là-dedans, je quitte le plateau, furibond, je te le dis. C'était un tour de magie, fallait que je retrouve le mien. Avec la crème fraîche, en vrai, c'est bon. Mais c'est juste que c'est vraiment meilleur la vraie carbo, quoi. J'ai passé un coup de gueule. Tu l'as bien vu. Tu le sais. J'avais du mal à argumenter avec un mec qui m'a placé des types de lardons. J'étais même pas au courant. Ouais. Pour moi, il y avait Fleur et Michon. Terminé. Bonsoir. Okay. Bon, je me lève parce que ça fait un moment là. Tu sais, oh, comment on fait? Orgasme Michon. On veut rien savoir. On voulait une vidéo comme dans Lego où on se décompose. Bon, bah moi, je me décompose. Hein. Puis ça va vachement plus vite que pour Lego. Quand il vient avec des petits bouts et qu'il annonce rien de bon. Bah c'est le moment de passer au shoot Bruxelles hein. Oh dis. Quand on vient de faire un rototo, après derrière souvent c'est shoot Bruxelles. Oh shoot Bruxelles, ça me fait un peu plaisir quoi. Si on défend le shoot Bruxelles, on n'aura personne avec nous. Putain, moi j'aime bien ça. Moi j'adore. Mais c'est génial. Mais quand t'es petit, un shoot Bruxelles, c'est le plat number one avec les épinards que tu veux pas. Pour moi, c'est brocoli épinards, mais shoot Bruxelles, ça s'entend. T'es malade, toi. C'est vrai. Non, mais le mec, il me sort tout un pamphlet sur l'endive. C'est vrai que j'ai pamphleté sur celle-là. Au moment du shoot Bruxelles, il se la raboule. Mais le shoot Bruxelles, c'est un des éléments les plus clivants. L'endive, c'est amer. Le shoot Bruxelles, c'est sucré. Le shoot Bruxelles, c'est polarisant. Pardon. C'est-à-dire que si on en met deux, on peut voir en 3D. Ça crée un schisme. C'est ça que je voulais dire. Une veine d'ardoise où on mine. Ah, c'est du schiste. C'est clivant. Ah, ok. Voilà. Il y a une dichotomie. C'est ça que ça génère, le shoot Bruxelles. Je suis prêt à accepter que c'est quelque chose que j'aime bien, mais qui, dans la moyenne, est quand même complètement à chier. Donc, oui, j'aime bien les shoots Bruxelles. Maintenant, c'est vrai, on peut se les mettre au cul. Faut bien se nourrir. Moi, je veux bien un petit verre de vin rouge. Je crois que c'est mon seul moyen de survivre. Moi, je veux bien un petit peu de Red Bull. C'est mon seul moyen de survivre. Alors encore une fois, je suis désolé, je ne fais que faire des introductions. Finalement, chez l'escargot, c'est pas l'escargot qu'on aime, c'est le beurre d'escargot, à savoir le beurre absolument, raillé finalement. Absolument, j'ai déjà goûté un escargot dans mon jardin, c'est pas du tout pareil. Contrairement aux limaces, qui font moins crunch crunch rapport à l'absence de carapace. Moi, je passe toujours un bon moment avec les escargots. On est quand même des grands malades dans l'histoire. C'est dingue. Ah, attention, moi si je peux donner un conseil, l'escargot s'attache. Mais là, c'est poubelle, hein. Et pas de... Oh putain. J'ai une soirée mondaine demain, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu aimes les escargots? Vous êtes un gros porc, non? Je n'ai pas goûté de miettes, mais j'adore les escargots. T'as pas goûté? Il est là, regardez. Mais c'est qu'il est vivant, il se déplace. J'ai parlé des œufs tout à l'heure. Oui. L'audace du gars. C'est clair. Le même que les œufs d'ailleurs. C'était en même temps. Quand il a pris un cobra, qu'il a pressé les dents et qu'il a goûté le jus, il a goûté du jus. Ça avait bon goût, mais alors, une fièvre. C'est excellent, mais pas trop souvent, non? Parce que oui, c'est à Noël, c'est oui. Un pas de fête, c'est gras. Un peu gras. Chier ce tournage là! Alerte Italie, évidemment. C'est italien, le risotto? Je le savais. C'est dans le nom, c'est pas breton, quoi. Le risotto de Guervenec. Bah, le risotto, c'est le risotto, quoi. C'est fromager, pourquoi je prends des notes? T'avais vraiment mis des amendes pour le stationnement. Lui, il m'a saoulé que sa Clio 4 était mal garée. Faut dire quelque chose sur vraiment l'Italie. Okay. Vous avez un nombre de bangers. C'est vrai, mais le risotto n'en fait pas partie. La paella. Ah, t'aimes pas le risotto? C'est pas que j'aime pas. Il y a des très bons risottos, un risotto aux truffes par exemple, qui peut être sensationnel. Néanmoins, je trouve qu'on a tendance à se faire un peu chier. Je vais reprendre une lampée, mais... C'est excellent. C'est putain d'excellent. Moi, j'ai jamais rien dit de mal sur le risotto. Cool délire. J'ai mon partenaire de droite qui est pas risotto. J'ai été dur en fait, ça me renvoie une image qui est pas ouf, mais au final en bouche. Excellent mais pas trop souvent. Putain, tomate mozza dans nécessaire pour le bien. Évidemment. Elle est éclatée notre tier list. Elle nous a chier. Bon, on va pas débattre. Allez, on a déjà assez. Allez, on n'y croit pas, ok? On croit aucun de ce qu'on a. Ouais, bon, bah là, voilà, on est sur le Périgord. Tu l'as reconnu alors que. Non, mais attends, là, vous avez reconnu un cassoulet, vous? Tu m'aurais dit mousse au chocolat, mais non, j'aurais presque cru. Ça fait encore partie de ces plats. Je sais bien, je sais ce que tu vas me dire. Pas le meilleur représentant du cassoulet. Non. Avant de tirer des conclusions, ne nous mettons pas le cassoulet à dos. On sait très bien ce que le cassoulet a apporté à notre nation.
plat préféré du président Pompidou, on le sait. Il s'en faisait des lampées à la Maison Blanche. Hein, c'est là hein, qu'il vivait, je sais plus. Non, arrête d'avoir cette petite... Pas ce petit ton-là avec moi. Le cassoulet, c'est délicieux. Je m'en occupe parce que je sais que tu vas faire n'importe quoi. Ton langage corporel me laisse penser que t'aimes pas ça. Je dirais excellent, mais jamais. C'était le top 1 de l'écœurant, là, vraiment. Oui, mais celui-là. Non, mais je me régalerai jamais avec un cassoulet, voilà la vérité. À tous les castaignes de Darien, à tous les carcassonnets. Je le pense pas, je suis bientôt en tournée chez vous avec mon spectacle, donc je peux pas me permettre de le penser. C'était un super instant pour faire ta promo, j'avoue. T'as fait un pas vers moi. Regarde, c'est instantané. Carminatif. Il m'a mis trop mal. Ouais, mais je veux dire, c'est pas ce cassoulet-là qu'il doit prendre pour tous les cassoulets. Ouais, sous prétexte que celui-là il serait pas bon, tous les cassoulets seraient pas bons. T'es dans un chalet en haute montagne, il fait un peu frisqué à l'intérieur parce qu'il y a pas le chauffage. En général, les gens disent quoi? Thomas, tu veux un petit pull ou du cassoulet? Oui, et d'accord. Ça réchauffe. Je fais un pas vers toi, hein. T'as fait un pas vers moi pour ça, je fais un pas vers toi pour ça. Un quartier là, un voisinage. Dis-moi. Cassoulet chaud de Bruxelles. Mardi gras, il va être gras. Ah là là, quelle mauvaise idée, les 100 plats. Oui. C'est pas un nouveau plat qui est arrivé, c'est toute ta région. Oh, c'est à toi de le défendre. Oh. On va de Tours à Angers en passant évidemment par Saumur, le Rio. Que les Français ne connaissent pas. Hein. Non, c'est vrai. Donc explique, c'est le Rio. Le Rio, c'est... La capitale du Brésil. LOL, évidemment, car l'humour fait partie également intégrante de moi. C'est tout simplement la quintessence du lardon. Alors attention, celui-là, il est légèrement dur. Non, normalement, c'est très tendre. Là, il y a un problème, ça ne va pas du tout, c'est une catastrophe. C'est un gros lardon, c'est fondant en bouche, mais ça se picore à l'apéro. J'ai tellement de fatigue et tout, quoi. J'essaie de t'écouter que sur les phrases utiles pour pouvoir rebondir. J'ai rien écouté. Ok. Un petit excellent, mais pas trop souvent, tu l'accepterais? Évidemment. De toute façon, j'ai bien conscience que plus ça avance, moins c'est difficile de te convaincre. On revient à ce fameux Sébastien qui a souhaité goûter tout ce qui provient du monde animal et végétal avant tout le monde pour dire ça passe moins. Là, il a fait fort. Le concept d'ouvrir un caillou, fallait y penser. Et ensuite, manger ce qu'il y a dedans, c'est encore une autre histoire. Parce que ça pouvait être là depuis 3000 ans, le truc. Absolument. Mais oh, tiens, je vais le laper. Les gars, vous allez me prendre pour un fou. Mais à mon avis, cette pierre, elle s'ouvre en deux. Les huîtres, c'est une ambiance avant d'être un plat. C'est au bord du Cap Ferret sur une petite cabane à huîtres en train de regarder le fait que t'as pas d'argent. Par contre, là, dans un tournage sur une péniche à Angers où tu le sais, on le sait, vous le savez, je t'apprécie moyen. Bah, l'huître m'intéresse pas dans ce contexte. Bon, d'accord. Tu vois? Ok. Moi, j'ai mes grands-parents qui viennent de Saint-Malo. À côté de Saint-Malo, il y a une ville qui s'appelle Cancale, la mecque des cailloux qui s'ouvrent en deux. Ouais. Et donc, à la Noël, j'ai toujours eu des petites huîtres et j'ai toujours apprécié ça. Il y a des gens qui détestent ça. Je la comprends à 2000%. Sauf que Noël Covid, là, il y avait des problèmes de réfrigérateur. Et je me suis pris une huître, comme on appelle dans le jargon des huîtres, hein, daubée du cul. Du coup, j'ai été malade pendant une semaine. Du coup, c'est vrai que les huîtres, maintenant, j'ai un peu plus de mal. Alors qu'à la base, c'était sympa. Si demain on est malade, on saura pas d'où ça vient. Putain, c'est vrai. Bon, bah, l'huître... Il est vite, celui-là. Alors, soit j'ai une force incroyable. Putain, t'es bourré. Je fais à 4 grammes. Ma petite idée. Toujours été très costaud. Je vais résumer l'huître, c'est la mer en bouche. Voilà ce que c'est. C'est exactement ça. Mais maintenant, j'ai pas envie d'imposer l'huître au monde entier. Non. La tier list d'Amixem, quelque part, est-ce qu'on s'en battrait pas les reins? Non, on a dit qu'on faisait foi. On faisait foi? Bah, sur qu'est-ce qui est mieux que quoi. Donc, ah oui, l'huître, la tier list, c'est la vérité. Il faut que tu me la places au bon endroit. Excellent, mais pas trop souvent. Pour moi, c'est proche de nécessaire pour le bien de l'humanité. Donc, je fais ce compromis là. On est d'accord qu'il y a beaucoup de gens qui seraient complètement capables de le mettre dans je n'ingurgirai ça pour aucun. Voilà, ça fait partie de ces plats-là, effectivement. Il y a des gens, mais là, il y a des gens qui ont quitté la vidéo. Comment ça, une huître, c'est meilleur que du panini? Comment ça, une huître, c'est meilleur qu'un steak tartare? Est-ce que je veux vraiment tous les faire? Non, c'est vrai. À tous ceux qui se disent ça, je vous en supplie, restez abonnés à cette chaîne YouTube. On est sur un plat que les gens peut-être attendent, c'est les coquillettes aux jambes. Moi, c'est la carbonara à la française. Moins classe, quand même. Donc toi, j'ai l'impression que tu vas mettre ça au panthéon, tel que je te vois là. Nécessaire pour le bien de l'humanité. En réalité, ça va assez vite. C'est pas excellent, mais pas trop souvent. Ça, c'est deux fois par semaine, sans aucun problème. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est un des plats les plus inratables. Mais je vois exactement ce que tu veux dire. Par contre, j'ai le meilleur ami de mes parents qui s'appelle Bruno. Une fois, il restait seul chez lui et il cuisine pas beaucoup, Bruno. Et il a fait des pâtes au ketchup, tout simplement. Et il a mis le ketchup dans l'eau. Sacrément con, Bruno. Il en tient une couche, comme on dit. Hein. Écoute, je vais te suivre. J'ai bien aimé ton petit argument sur le côté inratable. Avec plaisir. Puis à un moment donné, faut bien la remplir, cette catégorie. Absolument. On fera une pause à 50. On est toujours pas à 50 là? Dans 12. Dans 12 on est à 50? Dans seulement 12 petits plats on est à 50. Ça retrouvera jamais chez moi. Je pensais que ça allait être des débats, de la franche camaraderie. J'avais pas pensé à l'indigestion. Pourtant c'est logique. Ah hein. Pourquoi encore des œufs? Pourquoi il y a tellement de formes d'œufs? L'œuf sur le plat c'est ma forme préférée. Oui, je mange que le jaune. C'est incroyable ça. J'avais jamais vu ça. Puis le début tu pensais que c'était une assiette ça? En fait tu peux la bouffer. Tu peux la bouffer. Hein. Pas comme notre taré avec ses huîtres. Hein. Je prends pas des risques comme ça. Un clébard quoi. T'as dit. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Putain, c'est marrant, ça m'écœure.
Il le prend pas son Jeanne. C'est nécessaire pour l'humanitaire, neuf sur le plat. Qui n'a pas déjà mis 2 œufs au plat, fait un petit sourire avec du ketchup. Et là, bon, ouais. Enzo, 7 ans, avant sa rentrée en CP, bah tu lui offres le Zénith de Dijon. Hey, je trouve que cette rangée, tu vois, elle a un truc cool. C'est que là, c'est le repas de fête. Et là, c'est toute la semaine, tu manges ça. Ouais, je suis d'accord. Voilà, l'œuf sur le plat, mesdames et messieurs. Carpaccio. Alors là, il a séché. Hein. Je n'en peux plus. Ouais, ça va aller très haut, ça. Ça va aller très haut, le carpaccio. Ces fameux restaurants qui promettent des carpaccio à volonté. Ils ferment de plus en plus régulièrement, hein, parce que la montée du gros porc en France... Si j'étais tout seul, je mettrais orgasme culinaire. Je pense que je vais te suivre. On est encore sur quel pays? Quelle nationalité? Évidemment, la Turquie. Italien? C'est italien? Carpaccio. Même un mauvais carpaccio, il est vraiment très mauvais. Est-ce que vous êtes d'accord chez vous? Très peu de gens sont d'accord. Alors attendez, vous savez, sur internet, on aime dire quand on n'est pas d'accord. Mais si vous êtes complètement d'accord, dites-le avec la même ferveur. Mais oui, carpaccio, orgasme culinaire. Je vais me mettre toute une région à dos. Les Bretons, de manière générale, alors... vous nous faites chier avec la galette. 9 restos sur 10 chez vous, c'est des restos de galette. Variez un peu les plaisirs, les Bretons. La Bretagne, je vous adore. Vous faites partie, avec la Savoie, de mes régions culinaires préférées. Mais moi aussi, j'adore la Bretagne. Vous êtes un orgasme culinaire à vous tout seul. Ça ? La galette saucisse, qui, à l'instar des Italiens, n'est pas très technique. Ça, me ravit quand même. Nous, on fait des galettes, mais on met pas des galettes, on met des crêpes. Mais vous êtes des monstres. Ça s'appelle la ficelle picarde. Et je sais qu'à chaque fois, effectivement, cette réaction. La ficelle picarde. Les Bretons, quand ils m'entendent dire ça, ils disent mais tu es un grand malade. Sortir mon revolver, j'ai tout flingué sur place, ça a terminé. La galette est une des meilleures inventions françaises. C'est un orgasme culinaire. Et j'ai envie de me battre pour ce plat. Écoute, je viens de me foutre une région à dos. Ouais. Je pars en plus me foutre ton patron à dos. C'est vrai. Donc je te laisse mettre ton petit chevalet où tu veux, mais tu me feras l'honneur de me laisser pas regarder ce que tu fais. Alors par contre, celle-là a l'air dégueulasse, mais c'est pas grave. J'ai jamais vu une galette au ficello. Ouais, pas bonne. Ouais, pas bonne. Mais c'est pas grave. Par contre, j'aime bien, hein. C'est pas ça que j'ai dit, hein. Bah, si. Avec la galette, vous vous en faites trop. C'est juste ça que je veux dire. Ah. Après, c'est sympa. Pour moi, c'est l'équivalent de votre croque-monsieur. Moi, quoi. Je serais breton amateur de galettes. Sincèrement, je me la péterais. Okay. Je serais carrément arrogant. Tellement varié, on peut mettre tellement de choses, mec. Là, on juge la galette complète. À l'andouille de Guémené. Bah, voilà. Là, on parle. Mais bah alors. Galette andouille pomme. Non, mais on n'a pas dit galette jambon. Ah, bah voilà, bah, orgasme culinaire. La galette de. Ah, mais la galette, c'est là. C'est que tant que tu mets un ingrédient breton dedans, on est bon. Andouille de Guémené. Ouais. Avec un bon cidre. Ouais, le cidre, frère. Bah, vive la Bretagne. Mais c'est génial. Mais non, mais moi... Orgasme culinaire. Blah. Putain, qu'est-ce que je suis fier de la mettre là. Galette bretonne, putain. Bah, c'est le moment pour le pâté. Il est l'heure du goûter. Je peux pas manger ça. Pâté en croûte. Pâté en croûte. Alors, sache qu'à Reims, ils disent pâté croûte. De quelle région ça vient, je me demande. Parce que moi, je connais le saucisson brioché qui vient de ma région natale, Lyon. Et en fait, moi, j'adore le saucisson brioché. Je parle. J'adore le saucisson brioché, et pour moi le pâté en croûte n'est juste une version moins bien. Bah moi je dirais que ça vient de justement de Reims, tout le bordel, non? Pâté en croûte. Savoir si c'est italien, il suffit de le dire. C'est toujours pareil, c'est sûrement très agréable, mais pas après avoir mangé les 40 plats déjà. Ça c'est de la merde, franchement. Je sais même pas pourquoi ça existe en fait. Je n'ingurgiterai ça sous aucun prétexte. Moi je le mets là pour une raison, c'est que c'est un plat qui n'a que des apports pour ton corps négatifs. Ouais. Donc quitte à avoir des apports négatifs, oui, c'est vrai. Tu prends un Twix. Pâté en croûte. C'est prêt. La patate qui baigne dans la crème. Mais t'imagines que ce qu'on vit là, je pense qu'on est les seuls êtres humains au monde à l'avoir fait. Pense. Je connais plein de gars, mais ils l'ont jamais fait. Que la moitié. C'est les pâtes bonnet, ça? Ouais, moi les pâtes bolo, je les mets un peu en dessous des pâtes carbo, je te le dis. Donc je veux pas les mettre sur la même étagère. Je suis d'accord. Sur la même étagère. Ah. Oui, bah je sais ce que c'est, j'ai pas ça à la bolo, hein, quand ils vont me faire goûter. Hein. Là, ça y est, j'ai plus faim. Et c'est comme si on recommence une vidéo là, ça y est, on recommence du début. Ouais. Alors attends, les pâtes carbo, on les avait mis où là? Ah, dans orgasme culinaire. Oui, je comprends. C'est nécessaire pour le bien de l'humanité, bien évidemment. Je suis totalement d'accord. Mais oui, putain, mais j'adore, mais super mec, mais hop là, qu'à cela ne tienne. Allez, suivant. Puis là, c'est là que le Mexique arrive, quoi. Je me rappelle quand t'as repris des trucs au début, tant de l'œuf, t'étais vraiment... Les mouillettes, je me régalais. J'avais pas pensé qu'on en était que 2 sur 2000. Bon, tu voulais parler du Mexique, là, Rio de Janeiro, tout ça, là, vas-y. Alors, autant je suis très nacho, très burritos, autant ça pour moi... Tu mets ça dans un burritos, etc. Mais sinon, juste ça comme ça en unitaire, ça me fait un peu chier. Mais belle maman fait un chili, frérot. Vraiment costaud. Et ça m'a fait aimer le chili. C'est nécessaire pour l'humanité. Ouais, voilà. Ouais. Allez, d'accord. Ah, ça me fait plaisir de le voir là, tu vois. À côté de NordVPN, qui est nécessaire pour l'humanité. En belle maman. Il passait pas la douane. Ah, il passait pas la douane du Mexique ni de la France. By the way, il y a un escargot par terre qui est toujours là. Goudou, goudou. Alors, ça, mais là, t'es en train de parler de mon plat préféré indien, le palak paneer. Waouh. C'est un plat végétarien. Dans lequel il y a du fromage qu'on assimilerait à de la vache qui rit locale. Stylo, c'est hilarant. De la sauce épinard et riz. Okay. Je vais te dire s'il est à la hauteur. Faut touiller. Il y a deux écoles. Palak paneer. Ouais. Bah, c'est quand même un
un nom qu'on n'oublie pas quand on l'entend pour la première fois. Bah, pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Le panir, c'est le fromage. Ah, panir veut dire fromage en indien? Et qu'est-ce que veut dire palak? Oh, c'est un rash, hein. Bah, moi j'aime bien quand c'est épicé. Essaye d'oublier le côté épicé. Ça va être compliqué de placer un plat que j'ai découvert il y a 6 secondes, quoi. Pour le coup, il a vraiment le goût du palak panir. Vous, là, les Parisiens, qui sur Deliveroo et Uber Eats, vous avez l'entièreté de la carte du menu du monde, alors que moi, j'ai KFC et 3 dinners qui se courent après. Oui, vous savez ce que c'est qu'un palak palir. Non seulement vous savez ce panir. Que c'est... Ça va? Pardon. Vous savez ce que c'est qu'un panak punir? Panir. Oh, hey, c'est carrément agaçant. Vous savez exactement ce que c'est qu'un poney. PA2NER. Oh, putain. Vous savez ce que c'est que faire du payak pané? Du kayak pané. Les kayaks, les petits bateaux avec les rames. Vous savez ce que c'est? Vous avez le choix. Vous pouvez en goûter des différents. Alors que moi, dans ma petite campagne, où on a à peine l'eau, l'électricité, qu'on se dépasse en chariole. Bon, bah moi, c'est un billet aller-retour à 800 balles, hein. Je suis désolé, mais EasyJet, ils ont des soucis à se faire avec ça. Je voyage à un niveau. T'aimes bien? Franchement, c'est délicieux. Oh yes. Mais ça devrait s'appeler Panouk Kalur. C'est très bon. Ah, bah j'ai hâte qu'on goûte le dal bulgogi parce que. Je le place là, tu fais ce que tu veux. Oh la vache! Parce que moi, c'est un de mes plats préférés de la vie. J'ai voyagé, j'ai fait une découverte. J'aime pas le curry, j'aime pas les plats épicés. C'est les deux. Et j'ai quand même passé un bon moment. Donc je pense que pour les gens qui aiment, ça peut être une excellente opportunité de passer un bon moment. Ouais. Donc je te l'accorde, mais tu m'en dois une, comme on dit. Je t'en dois une et ça n'ira jamais dans le top, je le sais bien. Évidemment. Là, on est sûr pour moi un monument. De toute façon, je l'ai dit, la Savoie et la Bretagne, en termes d'objectivité, repassera pour moi. Non mais il y aurait une logique de dire excellent, mais pas trop souvent. Ce serait normalement ça qu'on devrait dire. Mais le plaisir est tel. Oui, ça surpasse la bien-pensance, ouais. La bien-séance, les conseils, regarde l'autre. Quand tu bombes le bus comme ça. C'est qu'il y a soirée raclette. C'est le signe d'un orgasme culinaire. Je n'en peux plus de ma vie, j'ai envie de vomir. Je prends une raclette, je me régale. Je vais juste faire une simulation. Bonjour Maxime. Mm-hmm. Ce soir, c'est raclette. Bah voilà. Voilà, il y a le côté où on cherche l'ingrédient, on est sur ses appuis, et on est pressé, on est impatient. On se prend une petite pause? Allez, on reviendra plus fort d'ici une quart d'heure. Disons-le aux gens, on a fait une pause de 10 minutes parce qu'on n'est pas des bêtes. Je suis passé devant le truc où il y a tous les chevalets des plats. J'ai vu le mot blanquette, il m'a achevé. On peut peut-être le prendre et le placer tout de suite. J'ai une migraine, ça doit certainement être soit l'huître, soit le risotto. Ou le fait d'ingurgiter 53 plats différents. Touche un point là. Hier en préparation de ce tournage, j'ai pas mangé. Ce matin en préparation de ce tournage, j'ai pas mangé. Demain matin, demain midi, demain soir, après demain midi, après demain soir, j'ai pas mangé. Tu travailles bien toi? Et j'ai la peau du ventre tendue. Ouais, il est en heure sup lui. Hein. Allez, suivant. Alors là, le Bocao, c'est le restaurant qui appartient à l'endroit où nous sommes. Et du coup, ils nous ont préparé cette recette-là. C'est des empanadas, sachant que le gérant est juste derrière cette caméra-là. Donc on a une pression énorme. Ça me rappelle les États-Unis, ouais. Les tout premiers voyages à l'E3 à l'époque de début de ma carrière YouTube. Et je prenais ça dans des vieux trucs un peu pétés et c'était super souvenir. Mais c'est mexicain ou espagnol? C'est mexicain pour moi. Sûr? C'est espagnol, j'ai un grand nom de la tête, c'est vénézuélien. C'est quoi? Colombien? J'adore Shakira. J'adore Pablo Escobar. Ah, moi j'adore. C'est très bon. Donc là, on a goûté les empanadas colombiens. Tu m'as touché là. Ouais, je suis désolé, j'adore. Qui a eu la chance de faire ça un jour? Ma femme a dû me le faire une fois, et une fois mon prof d'histoire par mégarde. Je sais plus quoi dire, je suis complètement bourré de nourriture. Oui, c'est ça. T'es bourré au premier sens du terme. Ah ouais, je mettrais dans excellent, mais pas trop souvent. Ouais, parce que tu peux pas en abuser, et t'es quand même content d'en prendre, c'est exotique, ça fait voyager, c'est sympa. Je suis d'accord avec toi. Suivant! Le hachis parmentier, encore une fois. J'en peux plus. Le hachis. Le hachis parmentier est un plat français typique bien connu, malheureusement fortement dégradé par le fait qu'il est cuisiné par Willy. Et Marie, ouais. Et que du coup ça dégrade un petit peu. Moi j'ai une autre anecdote qui m'a donné une mauvaise image et je te touche l'épaule en te disant ça. J'ai fait une prépa HEC, tu le sais. C'est le moment de ma vie, c'était dur, je travaillais beaucoup et j'allais au self le midi. Et un jour au self, il y a eu hachis parmentier et en accompagnement purée. Quelle audace! Et déjà que mes journées étaient pas terribles, et là je voyais les gens en train de se faire servir de la purée avec leur hachis parmentier et personne ne disait rien. Il y avait aucun sentiment de révolte. J'hallucine toujours de ça quoi. C'est très drôle. C'est ouf quand même. Vraiment, c'est ouf. C'est vraiment fou. Quel accompagnement avec vos spaghetti bolo? Dépenné. Si on revient un petit peu sur les bases du hachis, qu'est-ce que c'est? Dans hachis, il y a une sonorité très claire qui ressemble à un autre mot, c'est gâchis. Bah, on a beaucoup parlé du mec qui avait bouffé des huîtres, des escargots, l'espèce d'aventurier de la nourriture. Ici, on est sur ce qu'on appelle le fourzitou. C'est-à-dire quelqu'un est resté de la purée, de la viande, il avait la flemme de faire une assiette bien truc, il a fait ça. Très très bien compris ta démonstration. C'est la raison pour laquelle je propose de renommer Faut bien se nourrir par hachis parmentier. C'est en fait le nom de la catégorie. Je suis d'accord. Je suis quand même très heureux d'apprendre que excellent, mais pas trop souvent, en fait, j'aime tout. Nécessaire pour le bien de l'humanité. Bon bah forcément, ça fait quand même un peu mal ce qu'on a foutu, hein, parce que vraiment les tomates mozza et les toasts avocats, on oh se calme le cul. Failli tout gerber là. Ok, suivant. J'ai pas les refs, à chaque fois je reconnais pas les plats, c'est dingue. Allez, on va en Grèce. Hein? Mais tu te fous de ma gueule. Mais c'est quoi? J'adore la bouffe. Waouh, je crois que c'est la Turquie. La moussaka? Ouais. Grec, tu le savais. J'arrive pas. Je
me souviens, j'ai une histoire de moussaka avec ma sœur. Mes parents s'en vont travailler. Ma chère maman dit, vous inquiétez pas, il y a de la moussaka dans le frigo. Et donc c'est de la moussaka préparée, on la met au micro-ondes, on respecte le temps de chauffage. Toute la moussaka qui était surgelée se retrouve à la bonne température, à l'exception des morceaux de carottes qui étaient restés des glaçons. Ouais, dur. On avait donc intitulé ce plat la moussaka et on avait beaucoup ri. Merci à tous. Ouais, vous avez jamais été très fâché avec tout ce qui est jeu de mots dans votre famille. Attention, l'humour ça nous a pris extrêmement jeune. Du coup, qui dit moussaka en termes de tier list, on va pas trop là-haut. Moi ça me saoule. Ok. Ça t'énerve. La moussaka. Ah ouais, okay. Alors je vais la prendre et je vais l'acheter. Bah non, mais c'est, j'ingurgiterai pas ça, j'ai pas envie une moussaka. Non, moi j'ai pas envie, je prendrais pas ça. Désolé, les Grecs, vous avez plein de trucs. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont par exemple? Des dettes? Les Grecs, ils ont quoi? Ah, ils ont quand même une bonne partie de l'histoire du monde. Ils ont inventé la démocratie. Ils ont pas inventé la démocratie et la moussaka, c'est vrai? Ah ouais, moi je contredis pas. Hein. Suivant, le bagel au saumon. Ouais, un bagel saumon, ouais, c'est cool, mais pas là. Il est ignoble. Quel ennui, bagel. Faut bien se nourrir. Je vais pas le mettre dans, je veux pas l'ingurgiter, je serai pas. Attention! Ah, ça va être chiant à remettre debout ça. Bon bah allez hein. Est-ce qu'on peut avoir un nombre? Aussi difficile soit-il à entendre. Ah, oh, il est forcément à plus de 40 et ça fait très mal. Il vous apporte le 60e. Qu'en reste 40. Oh putain, elle est là, elle vient d'arriver. L'Espagne. Putain, l'Espagne, qu'est-ce qui branle? Ben l'Espagne, il s'avère que c'est en train de devenir une des grandes puissances gastronomiques mondiales. Puissance gastronomique, ça va, c'est pas des bombes atomiques non plus. Hein. On va pas la retirer à ça, même le foot ça commence à vaciller un petit peu. Mais par contre, la gastronomie, ils ont les chefs parmi les meilleurs chefs. On peut penser à chef Mauro Greco qui est espagnol et qui a le meilleur restaurant du monde. Il est argentin? Bon. Mais il y a d'autres chefs espagnols qui ont leur mot à dire. Bon, ils ont quoi? Ils ont les tapas et la paella, c'est tout? Globalement, ils ont tout ce qui tourne autour du chorizo, dont la paella en fait partie, parce qu'on c'est rappelle, vrai. C'est un mélange terre-mer, la paella. Hein. Chorizo, crevettes moules, tomates, riz pilaf. Moi, je suis pas fan de paella, en vrai. J'aime pas trop ça non plus. Déjà, c'est pas pratique, faut retirer la truc de la moule, faut faire un débat pendant 10 minutes avec ton convive pour savoir si on dit chorizo ou chorizo. Mmh. C'est pénible. Maxime, ce soir, c'est paella. Mmh. Voilà. Ouais, voilà. Faut bien se nourrir. Malheureusement, hein, on est désolé là. Ouais. Ça devient dur pour nos organismes. Ça se peut qu'on se transforme progressivement en gros porc. Déjà, premièrement, avant de manger Venom, on fait ce qu'on peut en termes d'animation là. Pardonnez-nous. On est repu, on n'en peut plus. Ah, c'est très bon le boudin. J'aime beaucoup le boudin. Il me fait un petit quelque chose celui-là. Il y a quand même un côté un peu répugnant. On rappelle boudin, hein, c'est du sang qui est mis dans de la peau d'estomac. Même délire que les escargots ou les cuisses de grenouille. Là, c'est un vrai malade le gars. Ah ouais. C'est le même gars, mais fin de vie. Peut-être son fils. Un côté plus artistique que gros bouffeur. Je vais faire couler du sang dans de la panse et je vais te foutre ça au four thermostat 4. On va se régaler les potes. Un plaisir coupable. C'est un plat de haute volée. C'est juste un plaisir. Je veux dire, c'est pas nécessaire du tout. Ça, y a rien de nécessaire dans le boudin. Ah ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Bah excellent, mais pas trop souvent pour moi. Orgasme culinaire. Ah c'est bon. L'orgasme est un mot employé pour le cul à la base. Je sais bien l'origine étymologique. Un orgasme culinaire, c'est y a pas de limite. Ah ouais. Nécessaire pour l'humanité. Non. Excellent, mais pas trop souvent. Franchement, c'est censé être réservé au top du top. Merci Thomas. T'as le guerre descendre deux étages quoi. Oh la quiche lorraine dit. Je vais mettre des gens à dos. Moi je trouve ça boring. C'est vraiment inutile la quiche lorraine. Après, je pense que quand tu n'habites pas en Lorraine, la seule quiche lorraine que t'as goûté pour le coup, c'est celle de Marie. Moi, je pense qu'il y a un mec qui s'est dit, tiens, je vais vraiment essayer de rendre le soufflé au fromage sympa. Je vais y foutre quelques lardons. Alors, il se trouve que je viens de prendre deux bouchées de cette quiche lorraine alors que j'ai mangé soin de plat. Je me régale. C'est dingue, ça. Hein. Je vais pas t'expliquer ça, pourquoi. Ça, c'est fou, hein. Elle vient d'où? Ah, c'est un chef qui l'a fait, putain. Donc, c'est peut-être la première vraie quiche lorraine que je mange. C'est une pure putain de dinguerie. Bravo, la Lorraine. Incroyable. J'ai plus faim, je vais la finir. Oh la vache, la pute. Bah, tout ce qu'on a dit avant tombe à l'eau là. Ouais, attends. Mais t'imagines l'ascenseur émotionnel pour les Lorrains qui ont dit mais non, je vous jure, ça peut être délicieux. Je la finis alors que je n'en peux plus. Oh la vache. Elle nous a mis à terre quoi. C'est pas juste quoi. C'est pas juste. Parce que la paella aussi avait son mot à dire. Si jamais on avait un putain de chef. Moi franchement, j'ai démarré ce tournage avec un nombre de préjugés incroyables sur la quiche lorraine. Et tout tombe. En bouche, ça faisait un parfait équilibre entre le côté œuf et le côté lardon. C'est l'idée que je me fais d'une relation de couple épanouie. Moi j'ai qu'une question à poser. Qu'est-ce que vous avez d'autre la Grèce? Encore. Oh, le vermisoupe, j'adore ça. J'ai inventé un plat, je sais pas ce que c'est. C'est quoi? Ah putain, ok. C'est marrant parce que c'est le plat qui me met le plus mal le lendemain, tu vois. Y a rien de pire que ça. Normalement, c'est censé être dans un poêlon chauffé, donc évidemment, là, ça fait un chewing-gum. Non, mais globalement, les Savoyards, vous vous faites pas chier. Très vite, y a un mec à la Réunion qui dit fromage. Et son idée est prise tout le temps. La fondue, moi, c'est. Je pense presque au-dessus de la raclette pour moi. Non, bah, juste se calmer. Non, je préfère la raclette que la fondue, mais c'est quand même une dinguerie. Non, mais là, regarde, elle est toute timide. Le côté. Celui qui le fait tomber, il suspend. Papy, ça c'est drôle.
la Savoie, vous prenez une place dans le haut de la tier list. Encore une fois, vous vous êtes pas cassé la nouille pourtant. Hein. Mais bon, bien joué. Faut parfois savoir ne pas prendre de risques. What? C'est la poutine. Ah oh. Donc à titre individuel, je reviens du Canada. Je vais être complètement amoureux. J'y ai très bien mangé. Par contre, ça déjà, on sait qu'on le mettra pas forcément là-haut parce que ça dégoûte vite quand même. C'est vrai que la propale est belle. C'est inventé dans un pays où il fait moins 40 et où il faut bien se nourrir. Ça tient au corps, comme on dit. Ouais. Méga bon la poutine. Méga bon la poutine. Un nom difficile à marketer en ce moment d'ailleurs. Heureusement qu'il n'y a pas de plat qui s'appelle Kim Jong-un. Malheureusement pour elle, c'est le pire plat à déguster passé les 50. Ah là, ouais, ouais. Encore une fois, Blanquette. Qui arrive sans prévenir Merdo. Je pense que la poutine est nécessaire pour le bien de l'humanité quand même. Parce que c'est du voyage. C'est du plaisir. Quoi, non, ça va là. Ah ouais. Ah, mais faut pas exagérer, c'est pas logique qu'on mette ça là. Pourquoi? Ah, parce que c'est excellent, mais pas trop souvent. C'est que j'aime trop le Canada, je suis biaisé. Je vais pas regarder les stats, mais je dirais bien 5-10% de la commu qui est québécois. On va éviter de les froisser. Oh, la poutine là, elle fait mal, hein. Excusez-moi. Solène, tu peux nous laisser tranquille un moment? J'en peux plus. Bruschetta. On retourne en Italie. T'es sûr, là? À la bruschetta, bah évidemment. Je sue plusieurs ingrédients ici. Là. Qu'est-ce qu'une bonne bruschetta? Bon, bah, on rouffe ça. C'est une tartine méditerranéenne, un peu grasse, pas désagréable. On retrouve quand même de la bonne charcute. Des tomates qui connaissent vraiment le mot soleil. Et puis le côté, la technicité, je me la fous au cul, ça reste du pain avec du jambon. C'est un bon moment, mais c'est quand même une sacrée escroquerie. Ils seront mignons, les Italiens. Ils nous ont habitués à mieux. Ils savent faire des Ferrari, ils peuvent me faire mieux que des tartines avec du. C'est lent, mais pas trop souvent, ça reste bon. C'est le club sandwich italien. Complètement vrai. Moi, je suis un quart italien. Hein. Alors moi, j'avais fait mon test génétique, effectivement. Pareil, je crois. Ça venait de l'Italie, de la Grèce, tout ça. D'ailleurs, la Grèce. Qu'est-ce que vous avez, vous? Les olives. Les olives. Les olives grecques. Le palak panir. Ah bah non. Ça, j'en ai appris plus récemment. C'est géorgien. Allez hop. Le fameux steak tomate. Non, là, ça va diviser énormément. C'est... Moi, j'adore ça. C'est quoi? C'est quelque chose qui sent énormément le clitoris de vache. Ah la langue de bœuf. Ah. C'est trop. Déjà, ça se coupe à la fourchette. C'est tendre. C'est très bon. C'est succulent. Mais beaucoup de gens détestent ça. Et c'est pas ragoûtant quand t'as la langue qui est dans le frigo depuis 3 semaines. Qui fait ça? Madame 2 heures. Manger une langue, moi, le concept ne me plaît pas du tout. C'est dommage qu'il n'y ait pas un truc inclassable. En vrai, au niveau du goût, si t'aimes après la viande, il n'y a rien d'extrême. C'est juste de la viande très tendre. Pour ce plat-là, j'essaierai de m'exprimer pour la majorité en disant qu'on ingurgite pas ça parce que c'est une langue. Oui, il y a des gens, ça les dégoûte. Ouais. Faisons un peu de consensus parce qu'on l'a pas fait. On s'est foutu toute l'Alsace-Lorraine à dos déjà. Consensus, mon cul. Il y a des gens qui la langue de bœuf, tu vas me chier dessus. C'est quoi ta viande préférée? Le risotto. Ok. Pas beaucoup de plats allemands depuis le début. Hein. Ah, le strudel au caviar. Bon bah là, voilà le moment où ça va être compliqué parce que finalement, il existe autant de burgers qu'il existe d'êtres vivants. Je vais pas citer des marques, mais moi, un Big Fernand, pour moi, c'est incroyable. Pas citer des marques, mais un Shake Shake Burger. T'es rarement déçu, un burger. Bah le micro-ondes de Charal, là, c'est dur, quoi. C'est très bien ce que tu dis parce que le micro-ondes de Charal, truc micro-ondable avec un espèce de papier alu dégueu à l'intérieur, on l'a tous mangé. Pourquoi? Le burger, l'appellation burger, l'imaginaire qu'on a derrière, la promesse du burger est tellement forte qu'on serait prêt à n'importe quoi pour y retourner, même sous sa plus piètre des formes. Burger qui est connu pour être un plat américain, alors que hamburger ça vient de Hambourg et ça vient d'Hambourg en Allemagne. C'est un plat allemand. C'est un plat allemand. Celui-là n'est pas très bon. On appelle dans le jargon un peu technique une quiche Lorraine inversée. C'est-à-dire une grosse attente et une grosse déception. Moi je vais te dire franchement que ça, je le mets pas du tout en orgasme culinaire, je le mets là. C'est nécessaire pour l'humanité, c'est voilà, ces trucs. Donc on va se mettre ensemble comme ça. Tu vas regarder la caméra et je vais te poser plusieurs questions à la suite. Est-ce que tu es prêt? Thomas, est-ce qu'un burger est meilleur qu'un chirashi? Non. Thomas, est-ce qu'un burger est meilleur qu'un sushi? Non. Qu'un couscous? Non. Qu'une tartiflette? Non. Que des pâtes carbonara? Non, bah ouais, mais tu prends pas le bon gars là pour que ça. Que du carpaccio? Allez oui. Que des galettes bretonnes? Ah bah oui. Qu'un palak panir? Non. C'est pas meilleur qu'un palak panir? Ah non. Qu'une raclette? Non. Qu'une quiche Lorraine? Oui. Ah, fais-toi plaisir. Bon. Mais vraiment, je suis là à défendre la gastronomie de terroir et tu me sors que le burger... Qui dira dans l'audience là qui nous regarde ça, c'est pas un orgasme culinaire? Personne. Tu le mets en premier, ça va aller sur le top 3, hein. Suivant. Bon voilà, là c'est pareil, il y a autant d'omelettes qu'il y a d'êtres vivants. Moi je m'ennuie avec une omelette. Moi aussi, j'aime pas trop ça. On est marre, j'en peux plus. Ça me paraît tellement logique. Faut bien se nourrir, ouais. T'as des œufs, ouais. Un petit peu d'herbe. Ouais. Tiens, les omelettes, ça vient de quoi? Les poules, P-O-U-L-E, c'est le mot qu'il faut envoyer au 92 050 par SMS pour faire un don de 2 euros à l'association Enfants du Désert dont je suis parrain. Et vérifiez bien d'être le payeur de votre facture de téléphone. Et info, j'ai pris NordVPN il y a pas longtemps. Ouais. Il y a pas longtemps, j'ai envoyé poules. Je crois que je suis en train d'être influencé par la chaîne. J'ai vu les pages de ton téléphone, c'est rempli de jeux mobiles. Suivant. C'est le moment de la blanquette, c'est ça? Ah, c'est bon la blanquette. Non, pour moi, ça a toujours été le plat punition. C'est le plat français par excellence. Oh, mais... C'est vachement bon la blanquette, c'est le plat de belle-maman. Quand maman me préparait ça, je pensais que j'avais fait une bêtise à l'école. Moi.
Bon, il faut bien se nourrir. Ah ouais, c'est la première fois que tu me fais ça quand même. Ce qui est drôle, c'est que dimanche, j'ai mangé en famille, ma mère a fait une blanquette, j'ai tout mangé. Donc elle va vraiment voir, je lui ai menti. Ouais, après, t'avais pas mangé 62 plats avant. Ouais, c'est ça. Ça joue. Ouais, on est en train d'insulter la gastronomie française, mais bon, à un moment donné. Non, mais moi, j'étais pas d'accord, hein. La blanquette, je trouvais ça pas mal. Mais faut bien faire des compromis, c'est le jeu. Ah, c'est dur là. La paella, on l'a déjà faite. Là, on est chez moi. Ah, mon frite. C'est un plat de chez nous, j'ai jamais compris pourquoi la moule frite c'était de chez nous, mais c'est un plat de chez nous. Pardon, mais vous êtes pas non plus sorti les doigts du cul, tu parles des Italiens, mais. Oh, y a les coquillages et les patates, on va les mettre dans une assiette. Tout ce qui est plat où les deux ingrédients principaux sont dans le titre du plat, ça veut dire que c'était la flemme à la base. Hop. Je suis dans un dilemme énorme, mais quand t'as pas mangé ta première moule, comment tu fais pour sortir la deuxième moule de la première moule? Avec les wads. Dégueulasse. Attention, hein, parce qu'une moule pas fraîche, c'est pareil. Ah, ça peut être fatal. Mais les moules crème, les moules maillot, c'est un délire. Ça mais... passe, mais. Mais je m'en fous un peu, quoi. Moi, on s'en branle, ouais. Faut bien se nourrir. C'est triste, mais quitte à taper dans le crustace, autant aller dans du bon crabe. Non. Ah. Un œuf de 100 ans? Oh, non. Non. Ah non. Blague marrante, mais trop tard dans le processus. Bah, si tu le fais, je le fais, histoire de pas putain, dans la merde. Mais c'est même pas un plat. Bon, déjà, on sait où ça va, hein. Ça, de toute façon, y'a pas de débat, hein. Parce que ça n'a aucun intérêt, ça a le goût d'œuf, quoi. Non, ça a pas goût d'œuf, c'est toi qui disais ça. Je peux pas manger ça, je vais vomir. Sans le, c'est pire. Je vais vomir. Tant pis pour la péniche, hein. Oh, non, c'est pire ce que tu fais. Je vous avais dit, le jaune d'œuf, oui. Le noir d'œuf, non. Ça a le goût d'œuf, hein. C'est pas. Mec, dans quelle vie, dans quel monde, hein. Mais je vois pas l'intérêt de manger ça, quoi. Là, où notre gars, là, je sais plus son nom, lui, il aurait kiffé. Oh là là, c'est les descendants de Seb, ça. On dit, qu'est-ce qu'on peut faire pire que papy? Bah. Je sais pas, bouffer un truc qui sort du cul des poules, mais on a fait attendre pendant 100 ans. On laisse pourrir le truc. Allez, ciao. On va changer de fourchette, puis de table aussi. Et de péniche. Ah là, c'est coup dur, là. Vous nous l'auriez fait au 30ème plat, on aurait rigolé. Ah, ça j'adore. La fameuse coquille Saint-Jacques de 100 ans. Moi j'ai mon histoire à la coquille Saint-Jacques, hein. C'est vraiment le seul aliment au monde qui m'a fait vomir pendant 3 jours non-stop. Ah merde. J'ai trop surréagi. Pourquoi j'avais un garagiste là? Moi j'adore ça. Je mettrais bien un orgasme culinaire. Que ce soit coquille Saint-Jacques ou alors Saint-Jacques poêlé, je trouve ça génial. Et il se trouve que là, dans ce domaine-là, même Picard a un rôle à jouer. Bah après l'œuf de 100 ans, c'est sûr que ça commence à être vraiment très dur. Ça va là? Excellent, mais pas trop souvent. Oh. Ou alors, nécessaire pour le bien de l'humanité. Tu réponds plus? J'essaie de faire de la place avec de l'air, mais suivant. Oh, c'est bon, j'en voulais plus. Moi j'adore ça, les nachos. Ah ouais. Petit point culture cinéma, est-ce que tu connais La Grande Bouffe? Non. C'est l'histoire de mecs, ils décident de tous se suicider en mangeant. Ils mangent jusqu'à mourir. Ouais, c'est le titre de la vidéo. C'est ce qu'on fait en fait. Complètement le pitch. J'adore les nachos. En plus, il y a quoi? De l'avocat, de la crème, des tomates. C'est un condensé de tout ce qui est orgasme là-haut. Là. Ah, tu le mets là? Moi j'aurais mis nécessaire pour le bien de l'humanité. Oui, merde. Oui, d'accord. Parce que ça permet d'éviter tout ce qui est dépression. C'est un apéro quoi. Ouais. J'ai dit, j'adore la bouffe mexicaine. C'est colombien, putain. Merde à la fin. Deuxième étagère celle-ci. Eh bah ouais. Bon, au bout d'un moment, Solène. Je vais faire un petit peu d'histoire. La Bourgogne, c'était quand même les alliés de l'Angleterre à l'époque. D'un point de vue fidélité, ça n'a pas toujours été ça. Donc, quelque part, vous allez le payer aujourd'hui. Le bœuf bourguignon, j'en ai pas envie. Ni aujourd'hui, ni demain, ni hier. Mais il se trouve que nous, dans le Nord, bah là, on a notre version du bœuf bourguignon. Mais du coup, ça s'appelle plus bœuf bourguignon. Ça s'appelle plus bœuf bourguignon. Nous, on appelle ça la carbonade flamande. Du pain d'épices et de la bière, et on fait mijoter là-dedans. Ça n'a rien à voir. Ils enlèvent la patate. Ça a été dur, cette bouchée. Oh, le bœuf bourguignon, en fait, j'ai pas d'avis. J'essaye d'être méchant, j'essaye d'être gentil. Je n'ai pas d'avis sur le bœuf bourguignon. Je prends mes couilles. C'est un battage de couilles. Tu l'as mis où? Faut bien se nourrir. Avec plaisir. On est en train de chier sur la tradition française. Ça va pas. Bah quand il se met en angle droit, souvent, c'est pour dégazer, hein. Tous les cadreurs qui rigolent. Bah ouais, c'est aussi ça, YouTube. Ouais, ça devient dur, hein. C'est la siesta sans rentrant, là. Je peux pas, je tourne avec Jamy demain. C'est mon héros, Jamy. Fred et Jamy, c'est pas sorcier. Eh, dis donc, la petite voix. Mais Jamy, je comprends pas. Quand je mange 100 plats d'affilée, je... C'est très simple. Ton corps reçoit tous les ingrédients, tes enzymes font ça, et du coup, ton corps fait... C'est très simple, Fred. Tu n'es pas une poubelle. Je vois pas ce que c'est. Mais ça arrive trop tard dans le processus. Ah, c'est des tripes. Oh. Alors, on va les gerber, on va les dégobiller. Je n'ingurgiterai ça sous aucun prétexte. C'est celui qui parle le plus. Allez, j'arrête de parler. C'est voilà, et ça me casse les couilles. Mais c'est pas possible. On est en Inde. Le poulet tikka. Souvent le banger dans les restos indiens. Je jure sur ma vie que là, vraiment, je me retiens d'aller aux toilettes. J'en peux plus là. Là, vraiment, vous êtes là avec votre curry, là, vous niquez tout. J'imagine que dans mon corps, il y a une sorte de file d'attente des 100 plats. Et là, ce qui est en train de pousser au cul, c'était quoi le premier truc? Merde. Il y a des places
sec qui ferait rien. Et toi, t'attends de poulet tikka pour t'en foutre plein partout. Mais comment j'ai fait? J'étais au-dessus comme ça. Vrai cochon, c'est pas bon. Hein. Moi j'adore. Dégueulasse. Ah non, alors autant sur le palak bougour. Bah je te laisse le mettre. Parce que moi j'ai les sentiments qui vont parler. J'adore la bouffe indienne. Bon après je me prononce, alors je connais mal le plat. Mes excuses. Mais à un moment donné, nique sa race comme on dit. Faut bien se nourrir. Allez, suivant. Il en reste 10. Je tiendrai jamais. Pour moi, il y a 10 plats, il en restait déjà 10. J'ai envie de me mettre accroupi, mais c'est la pire des positions. J'aime pas. J'aime pas le pourtant, film. Il a un nom rigolo. Je tiendrai jamais. Faut que j'aille aux chiottes. Tu veux passer aux toilettes avant? Il va falloir. Vas-y, je tiens jusqu'à ce que je puisse plus. C'est gaulerie. Allez, vite, l'autre filet mignon, je m'en fous. Tu fais ce que tu veux. Je m'en bats les couilles. Juste pas d'orgasme, ça faut c'est bien sûr. Se nourrir. T'es de plus en plus bas. Hein. Je pensais pas utiliser cette phrase un jour, mais franchement, j'ai des contractions. Je sais pas ce que c'est. Bah, tu regardes, on gagne du temps comme ça. Parce un que kebab. C'est un kebab. Merci. Oh là là. Tu veux une anecdote ou je l'envoie à la poubelle? Vas-y. Je suis allé à Istanbul une fois. Ah, ça devait être cool. Allez, place suivant. C'est quoi cette info? Oh non 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 non. Cette info, soupe asiatique, enfin ramen quoi. Vite le ramen et le ramen. Ah, ça sent le marché de Noël. Je peux plus, je tiens plus. Je vous laisse le micro-cravate quand même actif. L'inconvénient de ça, on y met de la coriandre, ce qui est souvent le cas, ça prend un peu le dessus. Surtout pour les gens qui aiment pas trop la coriandre. Pardon. Est-ce que j'ai entendu un argument premier degré à ce stade de la vidéo? Ouais. Ça, c'est l'équivalent de... Ouais, du jambon beurre à Tokyo. Exact. On a dû frustrer pas mal de monde avec cette phrase, mais... C'est un bel emballage, ça, Moussa. C'est pratique, c'est gaulerie, un petit côté Thalès. Et autant des trucs ronds et ovales, on en a bouffé dans la vie. Ah oui. Mais des aliments triangulaires, c'est beaucoup plus rare. T'as mieux où les nems? Bah, les nems, ils sont quand même nécessaires pour le bien de l'humanité, on a été gentils. Bon, on les égalise. Oui. Il s'agirait de pas contrarier l'un ou l'autre, hein. Mais Samoussa sont un petit peu tatillons. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était une pizza. Ah oui, d'accord. Bon, là, tu vois, il y a toujours le débat burger, pizza. Dans la junk food, qu'est-ce qu'on préfère? Moi, c'est pizza. Tu peux avoir vraiment une très bonne pizza. J'aime absolument toutes les pizzas. La pizza italienne, la pizza américaine avec ses énormes parts à 13 euros. Oh non, j'adore. Le savais-tu? Domino's Pizza sont en train de retirer tous leurs restaurants en Italie. Parce que ils s'en foutent, les Italiens, de Domino's Pizza. Ça n'a pas pris. C'est drôle, ça, quand même. Normal, quoi. Moi, je veux la vraie pizza, celle qu'on mange oui. Sur des tablés comme ça, oui. En banc, ouais. Où on n'a pas notre petit espace vital, où on est là, ouais, ouais. Après avec avoir le, travaillé. Avec le couteau incurvé, pourquoi pas une roulette, et pourquoi pas Mario. Mais moi, je le mettrais plus dans le nécessaire pour le bien de l'humanité. C'est plus dans une semelle pour les podologues. Tu vois, la pizza, c'est vachement bon, mais tu fais rarement. Mmh. Waouh, tu vois. Ah, si. Ouais. C'est le. Avant-dernier plat d'une ration de survie. Oh, génial! Je connais pas du tout. Faut pas le mettre dans l'eau. Non. Et non. J'en prends deux dans mon café, moi. Très mauvais pour la santé. Mais tu te poses pas ces questions-là quand t'as max 3 jours devant toi. Hyper bon. C'est pas dégueu. Très farineux. Ouais, mais ça a le goût d'un palais breton un peu. T'as 100 plats là-dedans. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? C'est drôle. Non, bah la catégorie, elle est dans le titre. Toute cette vidéo pour foutre une vieille ration de survie militaire sur le top 1. Non, mais c'est faux, bien se nourrir. C'est dans le titre. Le dernier plat? Nous sauter? Oh, c'est bon, t'aimes bien ça. Moi aussi. C'est le dernier plat, hein? À côté du pas de taille. Ça fait sens. On a encore un podium à faire. Putain, on a mangé tout ça, gros. Waouh! Moi, je te le dis direct, hein. Quoi? Le burger, il sera jamais dans le top 3. Je veux pas en entendre parler. Ok, je pense qu'il y a un truc qui va évidemment dans le top 3. C'est au moins un plat savoyard. Ouais. Au moins un plat japonais. Ouais. Ça va vite quand même déjà. Je dis pas qui est devant quoi, mais juste, bon, lequel plat savoyard choisissons-nous? Moi, j'aurais pris fondu, mais peut-être pour faire un bon consensus, la raclette, c'est bien. Putain, j'adore ce qui se passe. Pour l'instant, on a raclette sushi qui sont là, ici, sur le podium dans le VPN, tandis que nous essayons de choisir un troisième plat. Moi, j'hésite entre couscous et pizza. Non, mais couscous, vraiment pas du tout, hein, pour ma part. Moi, je mettrais tomate mozza. Oh, t'es un malade. Bah ouais, mais bon, malade. On a jamais été d'accord depuis le début là-dessus. Je mettrais largement plus la galette bretonne sur le top 3, tu vois. Mais ça, je veux pas en entendre parler. D'accord. Les pâtes carbo. J'y pense depuis le début. On va se faire défoncer. Putain, j'arrive pas à me décider entre les trois là. Bon, moi, ce que j'ai le plus mangé dans ma vie, c'est ça. Une lassitude qui s'installe ou pas? Un petit peu en ce moment, parce que j'en ai un peu trop mangé. Moi, je me risque à un top 3. Tu prends, tu prendras pas. Et tu me tiens. Oh mon dieu! Eh ben, on va exactement l'inverser, puis ce sera tout bon. Mec, les pâtes carbonara, c'est trop simple, c'est pas assez exotique, c'est trop vu et revu, c'est trop un plat qu'on mange souvent et facilement pour que ce soit un top 1. Moi, je me risque à un top 3. Je mettrais sushi, pâtes carbo ici, et raclette ici même. Derrière sushi, je mets maki californien pour ceux qui savent. Bon, il y a tout ce que j'aime là-dedans. Mmh. Mais est-ce qu'au nom de la cuisine, on peut faire ça? Parce que là, il y a pas de cuisine dans la raclette. Quoi. Bon, les pâtes carbo, c'est pas non plus de la grande cuisine. Si tu me remplaces ça par pizza, alors j'accepterai ce top 3. Voilà, je me fais rouler dessus par Maxime, là. Moi, mon vrai top 3, c'est sushi, tomate mozza. C'est même pas un plat, des tomates mozza. Ah si. C'est dingue. Vidéo satisfaisante, top 3 décevant, et puis on reste là-dessus. Non, ça me va, en vrai, voilà, c'est juste que... T'as envie de te battre. Ouais. Envie de rentrer chez moi, de donner des nouvelles à mes proches. Peut-être aller un petit peu aux urgences. On finit un peu en eau de boudin. En même temps, on vient de se farcir 100 plats, donc on est au bout. On peut faire une compile des 4 fins, des 4 vidéos Lego, mais genre 3 secondes chacun. Là, on est... au bout.
il s'est endormi. Je suis dans une énergie très basse. L'équivalent d'un 5 du poule là. Enfin non, faut pas exagérer. Jusqu'au bout, bien joué mec. Bravo. On va se coucher. Dodo. Bah rame. On est dans le même état. C'est vrai. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci d'être indulgent avec nos choix et nos goûts, car les goûts et les couleurs font le monde. Je vous propose de télécharger NordVPN. Premier lien dans la description ou via un commentaire épinglé. Merci Thomas d'avoir dégusté tous ces plats avec moi. Merci à la prod, c'était pas simple à organiser. Ah ouais, merci. Merci à ce t-shirt que vous ne reverrez plus jamais. Envoyez-nous plein de soutien et plein de force et plein de messages positifs pour qu'on fasse l'épisode sur les 100 boissons. Oh oui. Comme ça ici, il y aura vodka. Au revoir. Salut. Et bon appétit. Thank you.